parti. Allez, bon, on est parti. Alors en fait, on était une bande de copains qui effectuons du triathlon depuis quelques années. On est plus ou moins expérimentés. Et il n'y avait pas de club à Épernay en fait. Donc on était tous licenciés dans des clubs extérieurs. Et puis on a eu l'envie surtout de partager des entraînements, parce que même si c'est un sport individuel, on avait envie de le rendre un peu plus collectif. Et donc on a souhaité créer un club avec une quinzaine de personnes. On a tout de suite pris contact avec le service des sports de la ville d'Épernay. Et ils nous ont tout de suite accueillis à bras ouverts parce que c'était une discipline qui les intéressait, ils en avaient entendu parler. Et la ville a joué le jeu énormément et nous a donné effectivement cette possibilité d'avoir des structures, notamment avec le stade, avec la piscine Buléo et pour tout le reste. Quoi. Ils sont vraiment très très bien avec nous et ça c'est indispensable. La réussite, ça ne pourrait pas se faire sans eux. Aujourd'hui, le triathlon s'est complètement démocratisé. Et il est ouvert à tous, puisqu'on a aussi une section loisirs qui font des entraînements de natation, vélo, course à pied, mais qui réalisent peut-être une petite épreuve dans l'année et ils se font plaisir de cette manière. A contrario, on a aussi des gens qui veulent vraiment faire de la compétition et qui vont sur des formats ce qu'on appelle Ironman, qui est 3 800 km de natation, 180 km de vélo et un marathon pour finir. Pour les débutants, le principal atout du club, c'est de pouvoir évoluer, même avec des personnes qui sont capables de faire des choses assez importantes comme des Ironman, de pouvoir évoluer aux côtés de ces gens-là. Tout le monde s'attend, tout le monde s'entraide, tout le monde se conseille. Je sais que toutes les semaines, je suis contente de venir aux entraînements. J'ai hâte à chaque fois que l'heure de l'entraînement arrive. J'ai hâte de retrouver les camarades du club et puis de rire et de passer un bon moment et de me faire plaisir au niveau sportif. Je pense que c'est beaucoup moins dur à faire 3 sports d'affilée qu'à faire un sport à fond ou à 100%, ça c'est sûr. Moins traumatisant et un équilibre, je pense, que plus pour ma personne. Bah, de faire ça dans son coin, déjà c'est pas la même motivation. Et puis c'est vrai que l'ambiance du club est super, quoi. Les entraînements en vélo et tout, ça rend les choses bien plus agréables. Le triathlon, ça me plaisait parce que je voulais en premier faire un sport individuel. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en venant à ce club-là, je pensais pas trouver autant d'état d'esprit collectif qui est similaire au club de foot dans lequel j'étais. C'est la priorité de ce club à Épernay, c'est vraiment la cohésion du groupe et la bonne entente. Le plaisir avant tout, mais vraiment le plaisir. On a su pouvoir monter une équipe assez attractive avec différentes animations, avec une certaine convivialité qui nous a permis d'attirer du monde. Et cette convivialité, de bouche à oreille, elle s'est communiquée et aujourd'hui on a beaucoup de monde qui veulent rejoindre le club d'Épernay effectivement.